Alors que l'affaire Pierre Palmade bat son plein, Julien Lepay a tenu à donner son avis. Contrairement à ceux et celles qui condamnent l'humoriste impliqué dans un terrible accident de la route, l'ancien animateur star de France Télévisions souhaite lui offrir son soutien. En effet, l'auteur-compositeur et interprète de 73 ans ne veut pas l'abandonner comme l'ont fait la plupart des gens. Julien Lepay @docteur la règle des 3L testé positif à la cocaïne et d'autres substances psychotropes, Pierre Palmade est à l'origine d'un grave accident survenu le 10 février dernier sur une route en Seine-et-Marne. Les trois occupants de la voiture percutée par celle de l'humoriste ont en effet été grièvement blessés. Selon les informations relayées, les victimes auront des séquelles à vie. Son ami de toujours, Muriel Robin, ne veut plus rien savoir de lui. Lâché de toutes parts, Pierre Palmade n'a plus personne sur qui compter. Enfin presque. À l'instar de Marie-Christine Adam, Sous le soleil, ou encore Philippe Etchebest, Julien Lepay a pris la défense de l'acteur. L'ex-présentateur de Questions pour un champion a notamment dénoncé un traitement médiatique absolument déplorable. Pour le septuagénaire, il faut laisser l'autorité faire son travail, on lèche, on lâche, on lynche. La règle des 3L. Tu ne sais pas pourquoi on te lynche, Palmade, il n'y a pas de procès, rien du tout, il est déjà mort, ce n'est pas à moi de le juger, ni à toi. Il y a des procès, il y a des juges. Il y a toute la machine judiciaire pour ça. Julien Lepay veut aider Pierre Palmade dans le podcast La Série. Julien Lepay a fait savoir qu'il n'a jamais consommé ni drogue, ni alcool. Celui qui a fait les belles heures de France 3 condamne ainsi la décision de Pierre Palmade de prendre le volant. Toutefois, il n'est pas du genre à s'acharner sur un homme à terre. Malgré tout, il n'oublie pas les trois victimes de l'accident dont la vie a viré au cauchemar. Point, j'ai envie de l'aider, tellement il est lâché. Je trouve dommage qu'on le lynche comme ça. Si est-ce un peu dommage, je ne suis pas juge, mais je pense à lui tout simplement, comme je pense aussi aux victimes qui n'ont rien fait à personne, qui tout d'un coup sont dans la misère totale. Que pensez-vous de ces déclarations?